Bah super. Avant le coup, c'était sa course en 2008. C'est en plein sa licence, 2100, trop juste pour elle. On va être encore mieux dans Normandie, 3000 mètres. Donc, non, bah maintenant. Hein, si... Le hit était pas très bon par contre? Non, bah, pff, elle est chiante, faut tout le temps qu'elle nous embête au hit, elle se colle sur une main. Mais une fois chaude après, au contraire, elle est mieux quand même. Elle est plus dans la main, elle est à l'an tout. Non, non, c'est bon pour le 14. Ok, juste le parcours, rien à signaler vraiment? Non, j'étais vraiment facile tout le temps du parcours, tout le temps des 14,5 moyenne. Non, j'étais vraiment facile. J'ai jamais été inquiété. Juste dans le dernier tournant, quand elle s'est bien poussée à droite, que j'ai perdu ma place. Sinon, après, elle s'est bien déliée pour finir. Tu penses que pour le Normandie, ça peut le faire? Être dans les trois premiers, déjà, c'est un objectif. Après, gagner, c'est autre chose, mais on espère. Ouais, un team de Mac. Ouais, il est venu vite dans le tournant. Et après, il pousse à droite, il s'est dérivé en 6 allures. Je sais pas prendre 4 spéciales de lui. Il est bien. Ah, parce qu'il te prend franchement l'avantage là dans le tournoi. Ouais, et je te dis, la mienne, elle me prend l'avantage, je suis en difficulté, Et bien. Bah, le jumeau, il court super bien. Devant les tribunes, je pense que Thomas Lévesque avec Ulysse, il va venir prendre la tête. Donc moi, je me remets à la corde parce que je veux pas me retrouver donné au vent. Et en fait, ça s'est jamais passé, il est toujours resté à deux. Donc à un kilomètre de l'arrivée, je suis dernier à la corde et les 500 derniers sont bons, le jumeau court très bien. Ouais, elle finit vraiment fort. Ouais, voilà, fait son dernier mètre sur un bon pied, sans perdre de vitesse jusqu'au poteau, donc c'est de bonne augure. Ça va être quoi la suite avec? Voilà, jument a un programme classique qui est à venir, donc elle monte en condition. Elle a le Normandie ou les élites, on va pas faire les deux, mais selon sa forme, ça sera le Normandie. Si on voit qu'on est un peu juste pour faire les 3000 mètres du Normandie, elle ira sur les élites. Justement, si elle court le Normandie, t'as le choix entre une Icaranès et celle-là? Oui, bah, je vais monter une Icaranès, hein, c'est prévu depuis la dernière fois. Donc, à mon sens, Eugénie, ce serait plus logique de l'avoir dans les élites. On va dire, bon, on gagne un rang après enquête déjà, et puis elle a trop tiré jusqu'au 800 dernier mètre. Donc, je suspecte qu'elle ait baissé le pied. Elle est peut-être mieux sur des parcours de vitesse? Elle est mieux, vu qu'elle tire, elle se retrouve mieux, mais je pense que c'est quand même une jument de tenue, mais il faut qu'on arrive à la faire moins tirer. Elle se pète quoi la suite avec elle? Normandie. Avec des réglages qui vont peut-être être effectués. On va peut-être essayer de partir en dedans et puis qu'elle se retrouve tout de suite cachée. Quoi. Elle a la qualité pour aller pour bien faire dans le Normandie? On va courir pour être 5-6 ou on peut être 3-4. Thomas, Ulysse, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il n'a pas voulu avancer la route, c'est tout. Ça remet en cause sa candidature pour le Normandie ou pas du tout? Non, il va courir, c'est pas. On va changer la technique de course et tout. Du coup, là, on est vraiment dans le doute parce qu'il y a deux semaines, on était sûr que c'était quasiment le gagnant et là, on est vraiment dans le doute avec. Ah, bah là, ouais, on a eu un gros doute parce qu'il n'a pas la capacité d'aller dans les autres. Donc, il va falloir changer les tactiques et puis faire comme avant. Le jour J sera des fers des 4, ça va vraiment l'avantager peut-être? Ouais, ça va l'avantager, c'est sûr, mais quand ils veulent pas avancer comme ça, c'est pas ça qui va les changer.